Ouais. Allez. On va sauvegarder un petit coup manuellement quand même. Ah si, j'ai un raid, putain. Oh, je viens de trouver une hyperbole. Oh merde. Casse-toi, Luxio. Lixil. Ah non, c'est pas un raid, c'est quoi ça? Ah, notre Pokémon qui peut cristalliser. À Skip, certaines musiques sont faites par Toby Fox. D'accord. Ouais, d'accord. J'aimerais bien trouver des abras là. Vas-y, bon app, Foussi. Ah ouais, les abras. Là, tu vas faire quoi de beau, Shang, ce soir? Tu taffes encore? Ah, j'ai Fantominus, j'aimerais bien avoir abras. Je vais geek et rester sur ton live. Ah, à quoi tu vas jouer, mon petit Shanks? Wesh, les dresseurs, ils ont plus aucun intérêt. Je one-shot tout. Il me reste un Eliatron à trouver. Où est-ce qu'il est, cet enfoiré? Là, j'ai l'impression que tu traces tellement comparé à moi. Genre, moi je me balade, je casse du Pokémon. Après, j'ai peut-être des Pokémon plus haut level que toi. Ouais, un peu plus haut level. Oh, c'est un nouveau! Oh, lui, c'est un nouveau, un crapaud! C'est quoi? Vous avez après un Litirel. Ah non, c'est une sauterelle. D'accord. Bon, normalement, si tu fais tourner RL, BF4 et Fortnite, normalement tu fais tourner beaucoup de jeux, hein. Warzone, tu le fais tourner, etc. Hein, sur ton PC. Hein. Mmh.
C'est du cloud gaming. Bah en cloud gaming t'as plein de jeux en vrai. En cloud gaming tu peux faire tourner n'importe quoi vu que c'est pas ta machine qui fait tourner les jeux. Ah. Oh il est stylé celui-là. Oh merde il s'est barré. Souhaitez-vous défier le champion d'arène? Oui. Bien évidemment vous accompagner sur les terrains de combat. Ok, let's go, on va péter du type plan. Son chat a trouvé les trucs? Ça va. Ça va, ça va. Fais gaffe parce qu'on parle d'Eliatron, mais on parle pas des grosses statues d'Eliatron à la con là qu'il y en a partout dans la ville. C'est vraiment des vrais Pokémon Eliatron quoi. Quelle est la reine? Ah bah elle est là. Vous avez atteint votre objectif. Je pense qu'il va y avoir ça à chaque fois. Il va y avoir un défi à faire. Tu le réussis, tu affrontes le boss. Alors, le champion d'arène a des Pokémon de quel niveau? Il vient de 70. M'envoyer un Choubidou. Niveau 16. Oh, je vais l'écouter tellement vite. Il en a 3. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, à peu près 16-15, les niveaux des... On va s'en organiser un, là, dans la semaine prochaine de live Fortnite, les gars. Parce que du coup, faut que je finisse mon pass pour la prochaine chapitre, là, pour l'avoir gratuit. Sinon, Eckhart aura dépensé de l'argent pour rien il y a 7 saisons. Ouais. Alors, faut parler à qui, là? À lui, là? Elle? Ben, c'est quand la prochaine saison? C'est le 3 décembre. Ben, c'est même pas une saison. Enfin, si, c'est une nouvelle saison, mais c'est carrément un nouveau chapitre. Ah, ils ont fait que 4 saisons dans le chapitre 3. Ils ont dit, ouais, il y a un problème là. Tout le monde aime pas le jeu. Vas-y, on change de chapitre. Bon bah ce soir je reprends Fortnite. Hey, il m'a endormi l'enculé de Chlorobulle là. Oh, sous les Fortnite moi, c'est bon. Bye pas putain. Il envoie un Olivini. Bah non, continue sans songer. Voilà. Hein bon bah ce soir je reprends Fortnite, je suis un rat. Non mais t'inquiète, je joue en gratuit moi aussi hein. Moi c'est Eckhart qui m'a payé mon dernier pass de combat. Il y a je sais plus combien de saisons. Depuis je fais juste les niveaux pour passer le pass niveau 100 et après plus rien. Trouver des éléments. Simularme, attaque haut, oh, c'est fini. Alors attends, c'est des Pokémon que je dois trouver, c'est ça? Oui. Ou c'est des pots de fleurs là? Non, non, c'est vraiment des Pokémon. Ils sont un peu partout dans la ville. Ouais, ouais, t'inquiète. Ah, tu vois, t'en as vu un. Ouais, il y en a 3 qui sont juste devant.
Ouais, elles sont dures leurs cachettes, hein. J'en ai déjà 3. Attends, oui, il y en avait un là-bas. Toi aussi, il y en avait 3 qui s'étaient cachés. Ouais. Juste devant là. Ouais, il y en a 3. Attends. Ah, t'as voulu faire la même que moi, t'as voulu chercher la Pokéball, sauf qu'ils disent si vous quittez la ville, c'est mort. C'est ça. J'ai vu la même Pokéball, j'ai dit ah, je veux trop y aller, c'est pas loin. Bon. Pourquoi t'es obligé de jouer à manette? Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il veut combattre? Moi, il y en a un dans les 10 qui veut combattre. Ouais, moi aussi, mais il a one shot. La place et les autres. Et voilà, ah ouais, le premier badge d'arène. GG pour ton badge. Pourquoi, qu'est-ce qu'elle a ta manette? Elle est cassée, Shanks? Examen d'arène fait. Bon, c'était pas très compliqué en vrai. Non. Ouais, j'espère que le endgame il va être bien dans le jeu, tu vois. Parce que c'est souvent le endgame qui est pas ouf dans les Pokémon, je trouve. Horrible. Non, juste nul. Ah. Oh non, la manette Xbox elle est cool en vrai. Moi, tous les jeux solo, je les joue à la manette Xbox. Là, ma manette c'est ça. J'en ai plusieurs. J'ai celle-là. La collector. Collector Titanfall, ça c'est ma manette la plus collector que j'ai quoi. Qui est là, Collector Titanfall. Et moi je joue avec, elle est où? Elle est là, je joue avec la Collector Sea of Thief. Tu vois d'ailleurs tu le vois, hein, mon joystick là il est là, la caoutchouc il s'est enlevé. J'ai une manette non officielle. Ah oui, mais vous aussi, vous cherchez des problèmes, les gars. Achetez des... Franchement, une manette... quand tu joues sur PC à des jeux solo et tout, que t'achètes une manette, prends une officielle. Tu vois, regarde. J'ai fait le teubé, tu vois. J'ai fait un peu comme, bah, comme toi, en achetant une manette pas officielle. J'ai acheté l'autre jour une manette de PS4 parce que je croyais que j'avais perdu ma manette. Au final, je la trouvais pas, je l'ai retrouvée. J'ai acheté, tu vois, on dirait une manette de PS4. Hein. C'est une non officielle. Eh ben, dis-toi, la PS4 la reconnaît quasiment pas, c'est relou. Donc, j'ai claqué 29€ pour rien, quoi. Donc, du coup, alors que j'ai ma manette PS4, quoi, je croyais que je l'avoir perdue. Ben non, en fait. Voilà, c'est moi le teubé. Donc, je vais essayer de la refourguer à quelqu'un, la manette non officielle, parce qu'elle est claquée, quoi.
contre, c'est dommage qu'il n'y ait plus tous les dresseurs à affronter. Moi, j'aimais bien. Ça faisait des... Bah ouais, moi aussi, j'aimais bien l'entrée des arènes avec des petits énigmes et tout dedans. Là, il n'y a pas. Putain, depuis le début du live, donc depuis 6h20 qu'on est en live, il y a eu 27 330 images perdues sur le live. Ce qui représente 2% du live. Ouais. Ça va, finalement. Ouais. Je sais pas quand c'est que ça a fait ça, parce que le live, il s'est pas coupé. Ouais, le marche bien, c'était trop grosse pour moi, et pas l'habitude de jouer manette. Ouais. Moi, je manette, je joue que sur les jeux solo. Tu vois, même sur la Switch, je joue avec la manette de la Switch. Bon, par contre, là, je regrette pas mon achat de 80 boules, hein, parce qu'en vrai, la manette, elle est ultra bien. Il a une tête de mec fatigué, lui. Moi, je vais aller tuer. Tu sais, il y a les trucs de la team Star là juste à côté. Ouais. Et c'est repère de l'équipe feu. Donc, moi, ça m'arrange de ouf. Bon, pour moi, j'ai Pokémon haut, donc je vais pouvoir y aller aussi. En vrai, là, j'ai que mon 5ème Pokémon qui est pas level 20 parce que je m'en fous. Mais j'ai. Non, 6ème. J'ai 5 Pokémon sur 6 qui sont 20, dont mon principal qui est 25. Ça va, hein? Ouais, ça va. Ouais, d'accord. Bon, bah, le combat va vite être fait. Premier Pokémon, une attaque, il est mort. Mais le dernier, c'est son Simulard, mais il est fort quand même. Allez, le deuxième, une attaque, one shot. L'arène trop facile. Alors. Tu passes d'un talent indéniable. Bah ouais, t'as pas le temps d'attaquer que t'es mort, frérot. Ce combat est un chef-d'œuvre. Moi, je dirais plutôt un viol. Chacun son délire. Oh, ça dépend. On fait le de chef-d'œuvre. Ah, il veut cristalliser son Pokémon. Je te battrai sans la cristallisation. Perso, les deux me plaît. Les deux quoi, Shanks. Bah mec, il se cristallise, l'attaque, il lui reste un demi-millimètre de vie. Mais ah, ça me fume. Et il m'a enlevé que 6 PV. Il est nul. T'es nul. Allez, au revoir. Il m'a enlevé 6 PV, le bâtard. C'est quoi ce maître d'arène, frère? 3 Pokémon, au total, il m'a enlevé 6 PV. C'est vrai qu'il était dur, Simularbre, hein, j'avoue. Bah, moi, vu qu'il faisait des herbaffes, moi, il me tue à chaque fois. Ah ouais? Il m'a enlevé 6 PV avec des herbaffes. Bah ouais, mais moi, c'est une attaque plante. Eh oui. Donc, T'aurais dû utiliser ton Pokémon feu. Oui. Il a pas compris le principe. Au départ, je me suis dit, bah, je vais mettre je me suis dit, je vais mettre Corvéus, enfin, le machin là, Bleuzeye. Parce que vu que c'est vol, ça va. Marche aussi, parce que je me suis fait la télé gueule. Tu peux capturer plus aisément les Pokémon de niveau 25 ou moins. Et tous t'obéiront. Ah ouais, voilà. Avec le badge, du coup, le Pokémon que je t'ai filé t'obéira jusqu'au niveau 25. Okay. On l'a violé, hein. Merci pour ton dévouement. Et en vrai, si c'est juste ça, on fait quelques raids, on va tabasser les arènes, on refait quelques raids, on va tabasser les arènes, le jeu, il va vite être plié, hein. Ouais. Ça va être cool.
Capture de Plumeline. Oh, Plumeline, c'est feu vol. Oh, le Pokémon qu'il faut à écarte. Il flamenco, feu vol. Flamenco, il mélange tout. Plumeline, ça a une évolution ou pas, Plumeline? Je sais pas, attends, ça ressemble à quoi déjà ton Plumeline? Alors attends, Plumeline. Bah, petit oiseau. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure celui-là. Et non, il n'a zéro oui. Évolution. Enfin, oui, Plumeline n'évolue pas. Voilà. Attendez, je re... Ok. Allez. Let's go, baby. Okay. Bébé. J'ai un raid pas loin, tu veux le faire? Comme tu veux. Mais là, je suis en cinématique. Vu que je me suis approché de la truc de la Team Star. Là. Ah ouais. Ah ouais, en fait ça sert à ça quand tu vas au quand tu vas comment ça s'appelle au centre Pokémon, t'as le truc vert, ça sert à créer des CT. Ouais. Ouais. Moi oh, je peux fabriquer gros feu. Ah non, j'ai pas des malos. Gros éclair, crash éclair. J'ai pas des gros elixir. Le RP Fortnite ça existe, je suis sur le cul. Ouais, ouais, ça existe. Mais bon, c'est naze. Hein. Enfin, moi, le RP de base, je suis pas un grand fan. Hein. Honnêtement, je dois vous avouer, je suis pas un grand malade de ça. Hein. J'arrive pas à me mettre dans la peau d'un personnage en mode oh, c'est ma vie. T'aimes bien toi le RP, Eka? Bof, ça va. Ça serait un truc où tu pourrais jouer toi un RP? Bah ça dépend de quel rôle, tu vois. Si c'est juste oh bah faut que je cueille des mandarines parce que mon métier, il va falloir que j'ai quelques sous. Non. Par contre si c'est un RP braquage, un RP banque, ah ouais mais t'es obligé de faire ça en fait dans le RP, c'est ça qui est chiant. C'est que t'es obligé de faire truc métier. Je me rappelle Nixo quand il avait voulu m'apprendre, travailler dans une plantation de je sais pas quoi et tout, oh ça m'avait gonflé. Shanks qui dit je joue à RL sur Fortnite, c'est donc ça le multiverse. Oui. Ouais, un Elionceau. Cool. Mais non. Voilà, tu peux lancer si tu veux, je viens de finir la cinématique. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah bah je crois que je suis rentré dans la... cinématique de Cassiopée qui t'appelle quand t'es pas loin du truc, non? Oui, voilà, c'est ça. D'accord.
Bah au pire on fait tous les deux le truc de Team Feu et on ira. Ouais vas-y. Qui c'est ce vieux là avec sa crête là? Ah mais c'est pas le directeur de l'école lui? Non. Lui c'est Clove. Le maître de l'école c'est Clève. Ouais mais je crois, je sais pas si c'est pas le maître de l'école qui s'est déguisé, non? Oh je pense pas, il y ressemble pas. Enfin? Il y ressemble de ouf. Oh pas fou avec la banane, je suis pas sûr. Mais c'est un déguisement sur mon avis. Ouais, faut voir. Je te parie que ça va être ça. Vas-y, on fait un petit pari là. Je te parie que c'est ça, moi. Vas-y. Celui qui gagne. Non, celui qui perd, il reset sa sauvegarde. C'est le connard. Non, non. Ah, je reset ma sauvegarde, mais il y a ton Pokémon dedans. Tu me l'envoies avant. Tu m'envoies ton starter avant, et puis let's go. Ah ouais, non mais le combat lance-le moi encore plus loin, frère. Puis mes Pokémon, ils sont à l'opposé. Ils sont à 1 milliard. Son Malos, il est à 1 pixel tout au fond de la map. Je suis persuadé que c'est le... Ah, tu vois, regarde. Monsieur le proviseur, c'est vous. Boum. Ah, peut-être. En plus, le pire, c'est que je l'ai passé ce moment-là. Ouais, exactement. C'est le directeur, c'est sûr. Tu as encore les tags d'office. Oui, mais c'est normal. Les tags, je les change pas à chaque live. Attends, c'est une repère de type feu, hein, on a dit. Ouais. Donc attends, je vais mettre plutôt Azumarill, du coup, en premier. Tac. Oh, mon Granival évolue. C'est quoi ta réaction au hashtag RIP Twitter? Je sais pas c'est quoi le hashtag RIP Twitter. Oh! Je crois que c'est l'évolution du cochon. T'es moi la gueule du truc. Yeah. Du coup c'est quoi le hashtag RIP Twitter, Shanks? Explique-moi le concept. Explique-nous le concept. Parce que même dans les tweets tendances, il n'y a pas le...
Askip. Salut Matt. En gros, Askip, Elon veut fermer Twitter. Mais c'est des oui dire. Mais il va pas le fermer, il vient de le racheter. Tu m'expliques le mec pourquoi il dépenserait 40 milliards. Je crois qu'il a. Attends. Ouais. Il a lâché 44 milliards de dollars. 44 milliards de dollars pour le fermer. Twitter est en train de mourir, mais non, Twitter meurt pas, les gars. Eh, vous stressez trop la vie, hein. Il est en train de chercher un remplaçant pour prendre sa place, pour s'occuper du réseau. Ben, normal. Elon Musk, il n'est pas là pour diriger le réseau, lui, hein. Lui, il a acheté, il a mis des trucs pour gagner du fric. Il s'est mis bien, il a dit, allez, tout le monde peut être certif, lâchez des sous, vous êtes certif. Et puis voilà, hein. Et après, bah logique, il va mettre quelqu'un qui va diriger ça. Ah, Elon Musk, il a aucun intérêt à diriger lui-même le truc. Mais non. Il a du temps. Elon Musk, c'est un mec qui aime bien, il est là, il fait ce qu'il veut. Il va mettre quelqu'un qui dirige, et puis si à un moment il a envie de dire, bah tiens, on va rajouter ça, ils vont rajouter ça. Et puis basta, hein. C'est comme Tesla, c'est pas lui qui dirige vraiment Tesla. Hein. Il y a un mec qui dirige Tesla et lui c'est juste le grand patron de tout. Comme il s'appelle Bill Gates, c'est pas lui qui dirige Microsoft. Hein. Lui c'est le patron de Microsoft, mais il a des mecs qui dirigent pour lui. Hein. Oh, un char machin. C'est le proviseur. J'en étais sûr que c'était lui. T'as pas lu les dialogues, Eckhart? J'en lis quelques-uns, mais c'est tout. Ah. Cassiopée, etc. Pas bien, Eckhart. Voulez-vous défier la Team Star avec les 3 premiers Pokémon de votre équipe? Non. Attends, c'est lesquels mes 3 premiers Pokémon déjà? Si ça devrait le faire avec les 3 premiers en fait. Pourquoi tu m'as quitté du vocal? J'étais juste au téléphone, j'ai coupé le son de Discord. J'ai rien quitté, meuf. C'est toi qui as quitté, hein. Mais t'es toujours dans le vocal d'ailleurs, hein. C'est juste dans le vocal tournoi en fait, t'as pas capté. Allez, c'est parti, écarte ton défi. La team. Ouais. Ah, j'y suis pas encore parce que du coup je suis allé régénérer mes Pokémon. Ah merde. Oh putain!
Tu les défies et il faut envoyer les Pokémon en mode en avant là, tu sais, quand tu les lâches et qu'ils attaquent tout ce qui bouge. Oh. Oh merde. Oh merde. Ah d'accord, il va falloir combattre 30 de leurs Pokémon en moins de 10 minutes. Oh merde. Envoyer les Pokémon en avant. Là, je suis à... Il me reste 1 minute 18, je suis à 19 sur 30. Ça va en vrai, hein. Ça va, ouais. J'aime bien ce mode de jeu en fait. J'aime bien aussi. Terminé. J'espère que ça régène nos Pokémon pour battre le boss. Oui, chez la bagnole. C'est un Pokémon ce truc. C'est vrai qu'elle est stylée de ouf, ouf, hein, par contre la meuf. La belle. Oh lolo. Oh, le combat va être impossible, frère, de le gagner. Ah ouais? Oh, j'ai un Pokémon haut, je fais des attaques
Hydro que machin, ça laisse un super effet. Ah oui, ils sont 27. Moi, il est 21. Je lui enlève quasiment rien comme PV. Il me fait une attaque. Je prends trop cher. Moi, je vais voir Terra. Je vais Terra cristalliser et je vais faire des attaques haut. Et je verrai bien. Hein. En vrai, je crois que j'ai envoyé mon Pokémon sur l'attaque. Hein. C'est que le combat de boss, t'as vu, t'as tous tes Pokémon. Hein. T'as pas que les 3. Je vais essayer de Terra cristalliser et d'attaquer avec les autres éléments que je veux. Terra cristalliser, attaque haut, je lui ai enlevé 1K. Ouais, mais toi, il est quel level? 21. 1K, c'est-à-dire? Bah, 1K, hein, genre, je lui ai enlevé peut-être 15 PV. Ah oui. Mais c'est rien. Non, mais non. Et moi, je suis con, puis je suis Terra cristallis, je fais une attaque feu. Putain, mais je suis con. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on aille XP, hein, parce que 27... Et je suppose qu'en plus ils sont plus nuls. Bah je vais voir parce que le Charthor moi c'est tout ce que je vais... Bouah okay. Je fais une attaque feu, je fais plus de dégâts qu'avec l'attaque eau. On va comprendre. Ah bon, on va continuer d'attaquer feu hein. Ah roue de feu il a déjà lui. Ah. Ah, elle a que deux Pokémon. Oh, ça va. Frontodor. C'est qui ça? Oh putain, c'est la bagnole. Niveau 26. Oula. Oh. Oh là là. Ouais, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on aille beaucoup XP là. Ça va. Ça a l'air d'aller hein, pour moi en vrai. Moi je galère un peu sur la voiture là avec mon Pokémon feu forcément. J'essaye de lui faire max de dégâts avant d'envoyer un autre. En vrai c'est le seul qui est assez haut level. Avec son crash brûlant là. On va pouvoir farmer les raids hein, moi je te le dis hein. Donc, peut-être les arènes on va les passer facile mais les trucs comme ça là ça va être chaud. Ouais. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il attaque 50 fois avant de te laisser attaquer. Moi, je lui fais une attaque, je dois utiliser une super potion. Une attaque, je dois utiliser une super potion. C'est relou. Hein.
voir si l'attaque feu je fais pas quand même plus de dégâts que l'attaque. En fait, c'est qu'à chaque fois qu'il attaque, il augmente sa vitesse, du coup, bah. Il hésite à le taper en fait. Oh, mais si, en fait, faut que je fasse ça. Attaque feu, je fais plus de dégâts, va comprendre, alors qu'elle est en pas très efficace. Level 70. Alors si je meurs. Oui. Moi je pense que je vais le gérer mais au prix de toutes les potions. Je vais le gérer aussi mais en cramant pas mal de super potions hein, ouais. Voire peut-être toutes. Mais bon c'est pas grave, j'ai de la thune. Hein. Mais j'arrive là, je suis à un peu plus de la moitié là. Il a attaqué avant moi. Tiens, moi je lui reste tellement pas dit. Ouais, la même. Hein. Il me reste deux super potions, une hyper potion. Allez, on va le faire bandage. Je crois que c'est une forme qui fait une attaque. J'espère que le combat vaut le coup, hein, qui rapporte de l'XP. Hein. Ah, il est dans le rouge là, ça y est. Sac. Ah non, j'ai deux hyper potions. C'est bon ça. Oh, allez, là c'est bon, prochaine attaque il meurt. Bon, j'aurais cramé toutes mes hyper potions et il me reste une super. Charbambin il est cheat ce héros. Toutes les attaques feu elles sont impossibles sur lui du coup. Du coup ça lui fait pas de dégâts quand il t'attaque? Aucun dégât. C'est bon ça. Il m'augmente pas qu'il s'en finit. Allez c'est bon j'ai fini moi. GG. Enfin j'espère que j'ai fini du coup. Il est content le croco. Il a fait...
Mais ouais, s'il est pété comme ça, l'autre, ça peut. T'imagines? Tu fais un combat à l'arène feu, le truc il peut pas t'attaquer. Ah, tu Ah devrais ouais, tester c'est d'aller faire celle, c'est niveau 57, ça se trouve, à force de l'attaquer pas très fort, t'arriveras à les tomber ces Pokémon. J'avoue. Peut-être tu t'as pas très très fort, mais au moins toutes les attaques feu elles passent pas. Ok, ciao la Star Mobile. J'aime bien. Sérieux, ton Azumarill m'a bluffé. Il était à donf. Il a servi que un combat. Il a su. Il a fait voilà. Un combat. C'est moi le pote. Bon, celui-là, c'était 30 minutes. Bon, j'aurais pas fait quand même plus le roue de feu. Hein. C'est la meuf quand même, elle est là dans une association de méchants. Elle veut faire, enfin, elle veut faire chier le monde. Et à la fin, elle te donne un badge en mode GG, tu m'as battu. Du coup, je suis fait la bobuasse et viens pour une photo. Ah, c'est le méchant le moins crédible du monde. C'est comment ça s'appelle? C'est Pokémon, hein? T'as battu Dracula, vas-y, viens, on fait une photo avec tes crocs. T'inquiète, je suis en du costaud. On la supporte la baffe. En fait, dans le jeu, il y a 25 types de badges. Il y a le badge des mobs dominants, le badge des arènes, le badge des trucs Steam Star. Ouais. Ça, tu le sens, le achète ma merde. C'est ça. Les packs badges qui vont être vendus chez Pokémon là. Ah, les packs badges, tu veux dire en goodies? Ouais. Ah ouais. De ouf. C'est trop ça.
Rip la sonnerie. Oh, me critique pas. Oh, c'est Choto. Tu paries que Pania, en vrai, c'est Cassiopée. Ah, la meuf, là ? Ouais. Choto, là ? Parce qu'elle dit, je m'y connais en piratage, et comme par hasard, c'est le téléphone a été piraté quand Cassiopée est arrivé. Ouais, pas faux. Je sais pas quel élément il est, mais peut-être il ira bien dans ma team, peut-être. On va voir. Normal. Il est en normal. Ah ouais. Je viens de crasse et je vais me péter un câble. Bon, en tout cas, maintenant on sait que il va falloir up un peu avant de vouloir aller autre part. Hein. J'avoue. Peut-être aller faire un autre mob dominant, finalement. Moi j'ai un point d'interrogation, un point d'interrogation proche de moi. Je veux voir ce que c'est. Ah oh non, je suis tombé dans votre maison. Il avait plus de batterie, bah oui, toi aussi. Il me faut un sixième Pokémon, là. Je sais pas quoi prendre. Et, vous avez attrapé un motorisard. Oh. Là, j'avais un truc shiny vers moi, là. Et en fait, rien que d'enlever motorisard. Enfin... Oh, Motorizard, en fait, il est pas juste normal. Il est dragon normal. Ah. Dis-moi qu'il évolue. Oh, il évolue pas, Motorizard. Oh, la déception. Je vais prendre mon premier quart d'heure de ce soir. C'est quoi ton premier quart d'heure? En vrai, je vais quand même l'inclure dans l'équipe. 4.
ça ira mieux que le top. Oh, les points d'interrogation, c'est juste des mobs qui sont un peu rares à avoir. Et t'as pas vu sur ta carte, des fois t'as des espèces de têtes de mort violettes là. Enfin, ou des têtes un peu bizarres violettes qui rôdent là. J'ai pas vu. Enfin, j'ai vu sur ta map tout à l'heure, et tu vois. Non, regarde, je vais essayer de te faire une capture d'écran. Regarde ça. Toi, les espèces de deux têtes violettes là autour du Pokémon. Tu sais, c'est quoi? Ouais, je vois. Non, j'ai jamais vu encore. Je viens de capturer un tête en poule. D'accord. C'est quoi les trucs là? Sur ma carte, j'ai des trucs en mode éclair, poison, c'est ça, c'est. C'est les raids, oui. Putain, j'en ai plein autour de moi alors. On va se mettre bien là niveau raid. Hein. Ça te dit, ouais. On se refait une petite session raid? Moi j'ai un raid électrique. Vas-y, hein. Attends. J'ai juste au centre Pokémon. Et après, je suis dispo pour refaire une session raid. Oh, un Charmillon. Ouais, c'est assez rare, je vais le capturer. Tu l'as trouvé au fait le mec de la ligue? Oui, j'ai trouvé, oui, je trouve. Parce que là, je vois qu'il y est là. Re-Shanks. Bah alors, Smoothie, y a pas un nouvel épisode dans la série de ta life là? Raconte-nous un truc au moins, les gars. Là. Ah, bah, t'es, vous remarquez parfois des icônes de Pokémon sur votre carte, elle signifie que vous aurez une chance de trouver des Pokémon de l'espèce concentrée à cet endroit. Alors n'hésitez pas à les défier. Ah. Oh, le raid, c'est justement le Pokémon de ma version. C'est-à-dire Char machin là. Char Bambin. Le Pokémon que tu m'as envoyé. Oui, ouais. Char Bambin. Eh ben, le tien, il est pas en feu? Bah, il est électrique apparemment. Oh bah vas-y, lance. Je suis allé au centre Pokémon. Ah, c'est je viens de le voir, la Charbambin. Oh. Nice. Dis donc. Putain, mais t'imagines, tu te fais une team avec chaque Pokémon comme ça, là, électrique, machin et tout. Genre, personne t'attaque, en fait. Vas-y, attaque-moi feu. Mmh. Vas-y, fais-moi mal. Alors, raid de Terra Crystal. C'est un quoi, une étoile ou deux? Une étoile. Mais là, ouais, il va falloir monter nos Pokémon un peu. Ouais, moi ils sont tous 20 là, minimum. Bah les raids, hein. Avec les raids, on va bien monter. Entre les tiens et les miens, ça va en faire au taquet de raids. Hein. Ouais. Là, j'en ai masse autour. Toi, t'en as masse. Et ça peut aller jusqu'à combien d'étoiles, un raid? Je sais plus, 5, je crois. Putain, t'imagines, 5 étoiles? Ouais, je crois que c'est 3 ou 5, je sais plus. Bah, non, d'ailleurs. Si, oui. Attends.
Ah, mais électrique en haut, ça veut pas dire que forcément qu'il soit électrique, hein. C'est, je crois, tu sais, la forme de sa terracristallisation. Sûrement. Ah d'accord, non. Ça peut aller jusqu'à 8 étoiles. Ok. Ah ouais, 8 étoiles, ok, on est vraiment au début, quoi. Ouais, tu vois, regarde, c'est un éclair en haut. Oh, il est trop beau. Oh, il a tué la moitié de la vie en moins. Ouais, juste. C'est avec mon attaque. Enfin, moi, mon attaque, elle est passée à travers là. Il y a marqué efficace calcination, mais ça l'a pas tapé. Mais ça y est, il est mort. Bah, je vais le recapturer du coup. Ça, tu peux garder celui que je t'ai donné. Bah ouais. Mais recapture-le parce que du coup il sera mieux que celui que je t'ai donné. Parce qu'il peut terra-cristalliser lui. Ouais. Il est tellement beau. J'ai hâte de voir son évolution. Il faudrait que je regarde une vidéo justement comment avoir l'armure. Ce serait intéressant de l'avoir en vrai. Bah ouais. Ah moi il me faudra les deux armures si on peut avoir les deux. Ouais. Il m'en faudra trois en tout, des trucs comme ça. Un normal, un évolué et... Enfin, et deux évolués. Alors, au moins XS, XS... Qu'est-ce qu'il est beau, sa grand-mère. C'est dommage qu'il soit feu parce que sinon je l'aurais mis dans mon équipe. Mon starter il est feu. Donc j'ai pas mal. Oh, j'ai un Pokémon là-bas. Je vais tenter. Je crois que c'est un shiny là. Et je vais essayer de l'approcher tout doucement. En plus, ce qui est bien, c'est qu'en faisant les raids, on... ben, nos Pokémon ils prennent pas de dégâts rien quand tu sors du raid. Ouais. Là je commence à avoir masse de bol, hein. Pokéball, Super Ball, Hyper Ball, Honor Ball, Soin Ball, Filet Ball, Luxe Ball. Ok, j'ai pu attaquer le Caninos. Ah non, c'est Caninos Terra Crystal. Niveau 24 le Caninos. Allez, vas-y, dis-moi. Oh, j'ai chopé une pierre soleil, dis donc. Ah, c'est nice. Je vais essayer d'aller vers des raids. Ouais.
Il y avait tout à l'heure l'évolution de ce gros tas là, de ce gros cochon de mort là. Là voilà. Tu vas dire à Thor que c'était non d'ailleurs Aizen. Non mais il vient jamais donc ça sert pas à grand chose de lui dire. Ah le cochon il évolue en fragroin. Ouais je la hitbox de ce mob. J'ai essayé de lui sauter par dessus. Et bah frère il m'a aggro quand même. Ouais, ouais Yoshi. J'ai un Pokémon que j'ai encore jamais vu là. Oh, oui, ça fait lui.